بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous: As-sanatu isna ashara shahra minha. Elle n'a né les 12 mois, il y en a 12 mois, minha parmi arba'atun hurum, parmi il y en a 4 mois qui l'y saqé, salasum mutawaliyat, il y en a 3 de ces 4 mois-là, zut succédé, zul qa'adati wa zul hijjati wal muharram, zul qa'ada. Et Zulhijja et Muharram, wa Rajab Mudar, et quatrième mois, c'est Rajab Mudar, alladhi bayna Jamada wa Sha'ban, et il y trouve en Jamad Thani et Sha'ban. Alhamdulillah, Zodi, mon frère en Islam, nous les premiers jours du mois de Zulhijja. Et nous dit l'Islam, enseigne-nous l'importance de ce mois-là, surtout sa premier 10 jours de Zulhijja-là. Citant l'important que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait qasam, li fin fait siyama lo sa 10 premiers jours là, Allah subhanahu wa ta'ala li dit le Quran, wal fajr et pas l'aube, wal ayalin ashr et pas sa 10 la nuit là. Le mufassir, celui qui explique ayat Quran, Ibn Kathir, li dit que c'est 10 la nuit de Dhul-Hijjah, 10 premiers la nuit de Dhul-Hijjah. Connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait siyama ou inquiétuse, ça montrait sur l'importance et bénéfice. Et nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam aussi, il fait une cause, l'ouverture et bénéfice de sa moi-là dans plusieurs hadiths. Donc, qui une personne y fait dans sa moi-là, une personne qui lui peut faire dans sa moi-là et qui fait sa moi-là, il a beaucoup d'importance. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, lui dit, et lui mentionné dans ce livre, Fathul Bari, lui dit l'importance et bénéfice de 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est parce qu'une personne lui gagne l'occasion pour faire tout type de ibadah en même temps. Il est capable de faire salat, il est capable de garder rosa, il est capable de sadaqa, et il est capable de faire qurbani, et spécialement, il est capable de faire hajj. Dans les autres mois, peinant possibilité pour nous joindre tous à Ibadala ensemble. Donc, pendant ces 10 premiers jours-là, qui nous devons en tant qu'Iban musulmans, première chose, c'est comment ça moi la rentrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin d'un dans hadith muslim, qui comment ça moi de Dhul-Hijjah la rentrée. Une personne qui a l'intention pour faire qurbani ou bien udhiyah, comme on le dit en arabe. Alors, qu'il n'y pas tous ce cheveu et ce banzong, c'est-à-dire qu'il n'y pas coupe ce CV ni ce zong. Deuxième petite chose qui est très importante, qui nous capable de faire, il est bien facile, c'est nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui nous encourage nous pour lire Tahlil, la ilaha illallah, pendant ces 10 premiers jours-là, Takbir, Allahu Akbar, et Tahmid, Alhamdulillah. Ça, c'est sorti d'un hadith rapporté Ahmad. À part ben, Dhikrullah qui nous capable de faire, nous faire plus d'efforts pour nous faire nos namaz dans nos masjid, nous donne sadaqa, et si possible, nous faire un khatmul Quran. Et aussi, très important, nous reste loin avec ben, désobéissance. Peut-être deux mois après Ramadan, nous finons réchuter dans des obéissances ou bien ben, manquements. Alors, nous demandons beaucoup pardon dans ces 10 jours de Dhul-Hijjah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit dans le hadith Tirmidhi, Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous enfants Adam, c'est ben pécheur et meilleur de ben pécheur, c'est ben celui qui repentit. En même temps, qui nous peut demander pardon, nous profiter, qui nous demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, nous avons des difficultés, nous besoin d'aide Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la surah 2, verset 186,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et comme c'est habitué à Pédéban à propos de moi, dis-lui, informe-lui, qui me prie avec Zot. Prie avec Zot veut dire qui me azote l'écoute. Ujibu da'wat ad-da'i, m'écoute et me répond avant celui qui demande dua à moi. Iza da'an, et si je te fais appel à moi. Dua, li gratuit, ben frère en islam. Alors demandez, pas hésiter pour demander dua. Demande dua personnelle pour nos familles, pour nos madames, nos enfants. Demande guidance pour nos familles. Demande guidance pour nos enfants. Demande protection pour nos enfants contre tout ban fléau qui nous est dans la société. Demande dua pour musulmans en entier, qu'ils soient Palestine, l'Inde, Cachemire ou bien Afghanistan ou bien Yémen. Pas oublier eux dans nos doigts. Jamais penser qu'ils nous ont un petit pays qui jamais nous boutons dans une petite chose de tel comme ça un grand pays là. Risque là, les biens et belles présents. L'injustice finit prévaloir dans nos Timorises. Alors, pas penser quand nous pouvons être attaqués ou massacrés, nous pouvons gagner la justice. Donc, demande dua de protection, de force et d'aide pour Saban frère musulman qui a des difficultés là. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut protéger nous contre toute l'attaque de Ban Kuffar. Et troisième, pendant sa 10 premiers jours de l'Hijjala, 9 premiers jours, nous essayons de garder Rosa. Car ça, c'est l'habitude de nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. 10e jour, définitivement, nous avons gardé Rosa parce qu'il s'est Eid. Et il y a un Rosa qui est très important. Pendant ces 9 premiers jours-là, c'est Rosa de Arafat, qui tombe 9e Zulhijja. Rapporté par Ibn Hibban, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire que Rosa de 9e Zulhijja les efface de l'année sur péché, une année avant et une année après. Pendant ces 10 jours-là, les musulmans se concentrent sur plusieurs types de ibadah. Nous avons nous un frère musulman qui finit al faire Hajj. Hajj est un pilier de l'islam, veut dire l'obligation de tout musulman si nous avons le moyen et la santé. Mais pendant plusieurs années, nous finissons gagner trop beaucoup de facilité pour al faire sa ibadah. Pour al faire sa ibadah là. Et nous finissons postponer quand vous prenez la retraite. Ou bien, je finis postponer quand je fais l'intention pour faire la retraite. Et il n'a pas fini réussi, retrouve. Il n'a pas fini réussi, sa personne trouve la retraite, il finit fini rentre d'Akabar. Ou bien certains, qui est dans la santé et moyen pour aller, mais reste postpone même. Au final, il n'est plus dans la santé. Toutes sortes prétextes nous viennent tirer pour retard sa ibad Allah. Et dans beaucoup de notes, il y a la liste 2019 pour aller faire Hajj. Je finis rate sa l'occasion là. Soit je n'ai plus avec nous, soit je la santé n'est plus permet de ou bien casse qui je finis ramasser pour pas suffit pour payer un nouveau tarif Hajj. Donc frère en islam, dès qu'il nous finit gagner le moyen et nous ayant la santé, nous faisons effort pour aller faire sa ibad Allah. Pas postponer parce qu'il nous peut gagner trop beaucoup de surprises avec le nouveau système qui peut mettre en place par ce qui nous appelle New World Order. Apporte Hajj un autre ibadah qui est accessible à Ban qui ne peut pas faire Hajj, c'est Qurbani. Même s'il y a un ibadah qui est facile et n'a beaucoup de négligence envers sa ibadah là, soit pour nous avarice, soit pour nous négligence. En tout cas, pour sa bonne qualité d'imoun là, nous prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi » Celui qui n'a le moyen et n'a pas fait qurbani, « Fala yaqrabanna musallana » Qu'il n'est pas costé avec nos musallas. En d'autres mots, il gagne place que nous faire namaz Eid. Quand pécose pas costé avec nos musallas, en d'autres mots, c'est une punition pour ce avarice ou bien négligence, afin qu'il n'y participe d'un contentement de sa jour de Eid là. Si tu nous fais une église à Ibadala, ou bien nous fais faire tam-tam avec Bef qui nous fait sacrifier dans le passé, un seul coup nous fais zip fin sauter, prix Bef fin augmenter, tout ban qui t'y envie, ou bien tout ban qui t'y content prend gros Bef, ou bien man Bef féroce, un seul coup vous trouvez autre perro de petit Bef vers son mouton. Alors qui fait à cause nous pose personner. Nous pas fin qu'on respecter sa ibadala. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait un rappel à l'aude, frère en islam. Qurbani, c'est pas joli bœuf, ni quantité de la viande, ni poids bœuf,
mais il vient de nous sincérité quand nous peut couper sa befla. Imagine bien, nous supposer peut sentir souffrance de Ibrahim alayhi salam qui lui fin gagner au moment qu'il espère coupe Ismaïl alayhi salam. Donc rappelle bien l'objectif de sa ibada là, li pas un game ni un passe-temps. Sa befla nous pas choisir li à cause de grossir ni quantité la viande qui nous gagne. Nous choisir li à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Nous choisir li pour commémorer Qurbani de Ibrahim alayhi salam. De jour en jour, nous pouvons faire face à la difficulté de nos dînes. Avant, la difficulté là, c'est simple. Maintenant, toute difficulté qui peut venir peut attaquer nos piliers de l'islam directement. Et connaît quand pilier de l'islam, l'islam pas pour exister. Nous namaz, nous hajj, nous qurbani, jusqu'à même nous kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fini corrompu. Combien jeune ou bien combien ben musulman qui peut venir athée et peut quitter din islam, rappelle bien c'est nous négligence envers sa dina qui peut amener nous vers sa bonne difficulté là, afin qu'il nous profite maximum de sa 10 jours de Dhul-Hijjah là. Nous disons ya Rab, acceptez nos rosa, acceptez nos bonnes sadaqa, acceptez nos bonnes salat et nos bonnes dua, acceptez nos qurbani et acceptez nos hajj. Et surtout, acceptez-nous pardon, ya Rab. Ya Rab, pas fais-nous une man musulman qui affaiblit et donne-nous la force pour pratiquer nos dînes. Et fais-nous, ban frère qui dans difficulté, gagne victoire le l'ennemi et de toute la patience. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.